Potion de savoir. Ouais, j'ai pas confiance. Ça doit être une potion extrêmement rare. Oh, un autre coffre. Ça doit être une potion extrêmement rare. Moi, bon, avant d'entrer dans la porte, je vais me re-soigner. Antidote contre le poison, soin important, Théano. Il y a un verre. Oh, il y a un autre coffre. Ah, putain, trois coffres. 200 XP, trois coffres. Pas mal. Et en plus, c'est pas du petit matériel. Ouh, une arbalète lourde que je vais montrer. Un outil de cambrioleur plus 6. Alors ça. Ça, par contre, c'est extrêmement rare ce que je viens de drop. Outil de cambrioleur plus 6. On va pas trouver ça dans toutes les poubelles, ni dans tous les tonneaux, ni dans n'importe quelle caisse. Allez, on ouvre la porte en furtif. Putain, mais ces portes qui sont... Mais c'est quoi ces salles qui sont... Ouh, un râtelier d'armes. Oula, tellement de choses. Par contre, je n'aime pas ce personnage. Tu as une peine de déterrer, mon vieux. La mort ne trouve rien. Oula. Putain, je sens que... C'est quoi qui est lancé? Un sort inconnu. Bah, qu'est-ce que je fais à ton avis là? Renversement. Oh, il maîtrise le renversement par contre. On va jouer à arme égale. Ah, il m'a touché! Merde! Putain, allez, réussis les renversements! Les derniers trails. Ouais, bon, allez. Merde, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai libéré quelqu'un. Ce n'était pas voulu. Bon. Dans ce cas, ce sera le combat à la sauvegarde, ça. Toujours à peine blessé. Ah non, il est blessé là, c'est bon. Ça va, je lui mets des bons dégâts. Voilà, il rate ses désarmements, c'est génial. Non, c'est pas désarmement. Si, c'est désarmement. Pour l'instant, il a tout raté. Aïe. Ah, là par contre, je prends cher. Là par contre, je prends très très cher. Par contre, arrête de parler, t'es gentil. J'arrive pas à voir ton statut quand tu parles. Non, par contre, moi je suis sérieux blessé. Du coup, la potion est pour bientôt. Maintenant. Ah ouais, alors comment ça se fait que tu perds de la vie? Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Il a bougé pendant que j'attaque. Sérieusement blessé, allez, agonise mon grand. Je te jure, c'est mieux pour toi. Putain, par contre, j'ai une esquive dans le mur. Ah, ou 5. Ça, là, ça va être chaud, ça va être tendax. Ça va être tendax. Par contre, il a une arme qui me plaît. Sérieusement blessé. Désarmement qui rate. Ah, ça y est, il agonise. Il agonise, il sait à qui il a affaire là. Oula, espace. Hop. Putain, il m'a désarmé, ça c'est bien joué de sa part. C'est désarmement et renversement. Et là par contre, ça va être un combat à mort. Allez. Renversement qui rate. Renversement qui re-rate. Je le touche. Lui me rate. Je le touche encore. Il me re-rate. Allez, vas-y. Allez.
La cible a résisté, tu m'étonnes. Oula, c'est... Ça y est. Ça y est. Et en plus, il a laissé un drop. Ah, superbe combat. Ouh, une masse d'armes double. Alors là. Là. Ça, normalement, c'est une arme exotique. Techniquement. Arme exotique. Alors, un des 8. Et ça, c'est combien? 1D8, 1D10, critique 19, 20 x 2. Et là, en critique, il y a quoi? Critique x 2. Je sais pas. Poids 4, poids 20. Vous savez quoi? Je vais m'équiper de cette arme. Et on va voir ce que ça donne. Alors. C'est fini, je le sais. Graul a enfin disparu. Bon débarras. Il a emmené avec lui tous mes anciens. Merci de nous avoir débarrassés de Draul. Je suis un gars, blablabla. Ah, voilà. Bien. Je vais m'afficher combien sûr, je sais pas. Je ne sais pas, tout seul jusqu'aux portes. Comptez le coup quand même. J'ai gagné 50 d'XP. Bien, alors casse-toi pendant que je vais explorer la zone là. Enfin, les zones même. Une mystérieuse brume. Ah mais je suis agonisant par contre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me reposer par contre. On va tester cette nouvelle arme. Ah, ça pexe bien aujourd'hui. Il y a une brume étrange qui perce mon regard. Je vais aller au plus profond de cet entrepôt. Les cryptes. Une crypte. Ah, je vois. Je pense savoir ce qu'il va falloir faire. Oula, une ombre faible. Une ombre. Qu'est-ce que quoi? J'ai mis combien avec mon arme? Je l'ai mis 7. Waouh. Putain, cette arme est puissante. Ah ouais. Une ombre. Qu'est-ce que... Non, mais qu'est-ce que c'est que ces créatures trop en haut là? Ah, je perds de la force, mon dieu. Ah là là là, je vais mettre plus de temps à la tuer celle-ci. Qu'est-ce que c'était que ça? C'est la première fois que je rencontre ces monstres. Ça me donne pas envie de continuer tout ça. Ça me donne vraiment pas envie. Putain, il y avait un piège. Examiner. Il y a encore une ombre, ou une difficile. Je vais essayer de désamorcer. Les scarabées de feu. Voilà. Ah là là, sans piège. C'est des pièges, ça. Je vais essayer de tuer un scarabée. Force des creux. Oula. Trois scarabées, deux ombres. Ah, je me suis fait repérer. Non, j'ai réussi à tuer un scarabée. Tuer les scarabées en premier. Ça, c'est la première chose à faire. Voilà, impec. Bon, les scarabées, je prends pas les drops, vous savez ce que ça donne. Et des abdomens qui ne valent quasiment rien. Oula, j'ai fait pause. Je suis allé en dehors de la fenêtre de capture. Ce n'était pas très bien de ma part, enfin pas très cool même. En fait, ces ombres ne sont pas si fortes que ça. Oula, par contre, celle-là, elle bouge bien. Ah, un petit 10, ça doit lui faire pas mal de dégâts. Je
regarde ce qu'il y a, il n'y a rien dans cette salle, il y avait juste du combat. Ouais, juste du combat. Et c'est tout. Un drop. Ah, il y a un levier. Oula, par contre, là, la traduction en anglais, je sais pas d'où ça sort. En gros, c'est une porte et tout s'est ouvert quelque part. Ah. Ok, bah finalement, on va continuer ce petit donjon. Voilà, je l'appelais comme ça, ombre faible. Ah non, zombie faible. Des corps qui brûlent. Allez. Voyons. Ils sont trois. Ok. Voilà. Merci de bien vouloir prendre un dégât. Bien. Et deux zombies normaux. J'aime bien cette arme, même si elle est un peu lourde. Ouh, un petit 10. Non, finalement, je l'aime vraiment cette arme. Je vais épouser mon arme. Voilà. Génial, parfait, impec. Bien, explorons un petit coup la zone. Rien ici, rien ici, rien ici. Encore un tombeau. Ça doit être ça, je dois être tombé dans un tombeau de quelque chose. Couloir, un cadavre. Ah putain, une embuscade. Je l'avais pas vu, zombie. Ah merde, il y a son pote qui arrive. Mais non, juste lui, putain. Attaque lui en premier. Enfin, attaque Zoran en premier. Voilà. Un voleur spécialisé dans les armes non discrètes. Ça a de la gueule, dis donc. Putain, mais pop doux. Bon, j'ai de la chance, celui-ci est faible. Voilà. Immunisé contre les coups critiques, génial ça. Bon, cadavre. Potion d'invisibilité. Ouh. Voilà, c'est qui pourra m'être extrêmement utile lors d'un combat de boss. What? Escalier vers le... Oula. Oula, je crois savoir où ça va me mener. Et j'aime pas ça. Bon, c'est au moins. J'ai entendu un rire. J'aime pas bien ça. J'aime pas ça du tout même. Allez, j'y vais. Comme ça. Sans me cacher. Oh, oh, alors ça. Ça, je vais pas aimer. Putain, tu m'étonnes. Force décrue. Voilà. Ouah, c'est moche ce qui m'a. Voilà. Ouah, putain, je suis mort. Bon. Eh bien, vous savez quoi? On va s'arrêter ici pour cette petite session de Neverwinter Night. J'espère que ça vous aura quand même plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu sur la playlist Neverwinter Night, à en mettre un également sur les autres vidéos ainsi que celle-ci, à regarder si vous venez de découvrir, à vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos, à me suivre sur Twitter @raelus1, à regarder les autres let's play challenge et autres vidéos que je fais. Quant à moi, je vous dis bon jeu et à la prochaine.